amis de la presse. Et juste pour rappel, c'est une conférence de presse de la CTSP, Confédération des travailleurs des secteurs privés et publics. Aujourd'hui, dans nos conférences de presse, nous vous traitons essentiellement l'eau, ce qui nous considère, nous, par la loi, et qui nous pertane, malgré ça, et pas permis. Nous n'est plus capable de compter combien commis fait Fidena le nouveau la loi travail et ça même lui même fait fin l'objet et discours du premier ministre dans le cadre du budget à l'ouverture discours du budget et même quand il est terminé il promet qu'il nouveau la loi peut venir. Mais aujourd'hui classe travailleuse en travaillant dans le secteur privé, surtout, vous êtes inquiets. Parce qu'il y a une psychose, quand même, dans nous la tête, qui est arrivée en 2005. C'est le même scénario. C'est la loi qui s'appelle Protection of Employment Act, qui est supervenue par le ministre du Travail d'Alo, le ministre Soudan. Finalement, nous sommes dans la même situation pour une élection, quand pas pour une. Et la loi-là fin présentée, first reading, et le final a jamais dormi quand il n'est pas venu. Aujourd'hui, nous avons envie qu'on nous pose une question à un policymaker de la pays là. Arrête de travailler dans une suspense qui est capable d'avoir une perception négative. Nous avons envie qu'on quand la loi ou table dans le Parlement. Quand une ville pour venir ou finit à dire une semaine avant, telle date, la loi pour table dans le Parlement, pour discuter, par exemple, Constitution Amendment Bill, Political Party Financing Bill, mais pour la loi travail, c'est un silence total. Même d'autres lois qui passent dans le cabinet, qui n'y a pas pour le cabinet, par exemple, Private Security Guards Remuneration Order. Mais nous ne pouvons pas trouver la loi là pour rentrer en vigueur. Nous ne pouvons pas attendre qu'il y ait un assez présidentiel. Et pourtant, la loi de sécurité peut envie connaître. Je peux envie connaître quand je la loi pour venir. Nous pouvons faire un appel au ministre du Travail pour venir dire nous quand la loi New Workers' Right Bill avec le Portable Retirement Gratuity Fund pour table dans le Parlement. Nous n'est plus capable de continuer à alimenter l'espoir qui finalement capable de causer préjudice à mon travailleur même. Et là, moi, je suis content. Explique comment ça peut causer préjudice. 2019, tout le secteur, quand nous commençons la négociation collective. Pratiquement tout finit la négociation. À chaque fois, je peux renvoyer une réunion, tel chef par Maurice, qui fait, je peux envie qu'il nous vole la loi travail fini, pour connaître qui est dans la norme. Pour connaître qui ça peut impliquer pour l'entreprise, donc je peux le salaire. Et dans le même secteur qui me préfère donne ce que nous appelons one-off bonus. Mais je ne peux pas tout salaire de base parce qu'ils ont envie de nouveau la loi venir. Tiens, donc nous pouvons faire appel et nous espérer que nous gagnons une réponse qui vise. Deuxième affaire, c'est le Political Party Financing Bill. Et là, CTSP a envie de faire les clair, nous peut réagir à la loi là, pas comme observateur. Nous pouvons mettre l'organisation dans le pays qui fait actif le terrain depuis 2006. Nombreux, nous faisons organiser un débat ensemble avec Transparency Mauritius. Justement, pour enrichir le débat, pour avoir une nouvelle idée, pour qu'ils nous capables de venir avec une vraie loi
qui empêche corruption et trafic d'influence. Il n'est pas un secret pour personne. Zodi financement parti politique, c'est l'épine dorsale trafic d'influence et corruption dans le pays. Nous finissons de prendre connaissance de la nouvelle loi. Nous pas d'accord du tout qui financement pour les partis politiques pour sortir 10 depuis secteur privé et peut-être un peu des autres membres qui sont très négligeables. Nous venons tout le temps soutenir financement depuis l'État. Financement depuis l'État, il n'y a pas veut dire pour faire du monde payer plus de taxes, payer sortir depuis taxes payeuses money. Et dans les autres façons qui sont capables de créer un fonds qui est géré par l'État. Pour la CTSP, la politique, il faut une partie dans la responsabilité sociale d'un pays. Donc nous pouvons proposer qu'il augmente la contribution dans le CSA depuis 2%, fait divine 2,1%. C'était privé contribuer, mais pas directement avec ma partie. Ça, 0,1% là représente 50 millions de roupies par l'année. Et le 5 ans, il peut faire 250 millions, qui est amplement suffisant pour donner un soutien à un parti politique, tous le même pied d'égalité, à un critère défini et acceptable. Et dans leurs ans, depuis le tour, toutes les semaines, pays la France, parce qu'il nous paie service aux Français, bien capable, tirer une partie, gros financement depuis ce système de gaming, comment nous dire, et alimente un fonds. N'a pas fait du monde payer. Façon qui fin présente ça vers la population, il fait du monde croire qu'il peut tirer casse dans nos poches pour une partie politique. Et c'est pourquoi, finalement, une résistance. Trois quarts du monde indien ne pas d'accord pour prendre taxpayers money pour faire de la politique. Nous propositions, c'est une proposition qui rassemblait du monde. Partout comme une cause, aujourd'hui, cet aspect de se l'assembler avec 150 délégués, tout du monde comprend, dire oui, dans cette situation-là, si pas faire du monde payer taxes pour donner une partie politique, bizarre qu'il y ait une dose de financement. Sorti avec parti politique. Financement depuis secteur privé, directement avec le parti, il est clair qu'il y a un trafic d'influence. Dans le pays comme l'Allemagne, comme la France, depuis longtemps, je ne finis pas comprendre ça. Je ne finis en pèse qu'il y a un financement direct depuis secteur privé avec le parti politique. Nous faisons un appel au Premier ministre. Nous demandons au Parlement pour une select committee. Nous demandons l'OSI, sa select committee là. Il n'est pas capable de limiter à 10 certains partis politiques. Et dans d'autres organisations dans le pays là, parmi la CTSP, qui fait faire une proposition à l'Electoral Commission. Nous ici, nous sommes capables de donner nos droits pour donner l'opinion. Il n'est pas capable, comment dire, en anglais, dire birds of same feathers flock together. Zot qui vous décidez, zot qui vous vine protéger zot mal l'intérêt. Ça les concerne tout le monde. Donc nous demandons qu'il agisse à ce comité là et permette à l'organisation de la société civile aussi de déposer. L'autre qui chose, finena plusieurs projets de loi. Qui nous pertane et une augmentation salaire dans le secteur construction. Le gouvernement, dans quatre présentations du budget, avec fierté, Finjali, aujourd'hui nous connaît une croissance sans précédent dans le secteur construction et il y a appelé à grandir. Mais ce qui se passe en notre compte, le secteur construction fonctionne aux bases contractuelles. Plus ou tarder pour amener une augmentation salaire, plus une compagnie pour venir où. Non, nous avons fait un contrat, mais nous ne sommes pas capables d'honorer ce engagement. Depuis novembre 2017, la CTSP finit un accord avec Baseka,
l'organisation de tous les gros constructeurs locaux à Maurice et Tienen Lako qui ont signé pour 22% d'augmentation de salaire. Quand l'UNRB tient son premier rapport, qui est bien en dessous, pas jusqu'à cet aspect, mais la BASECA aussi finit d'écrire au ministre du Travail pour dire lui, revoir sa proposition-là, parce que c'est le moment qui nous pensait capable de travailler mauricien, étranger, tout travailler secteur construction, un meilleur salaire. Bien capable d'attirer man zen dans un secteur-là. Nous, mi-2019, nous pas encore tournoi. Nous pouvons faire un appel au ministre du Travail. 2013, c'est date à laquelle, depuis l'ancien régime, soumet un référent au NRB pour lui venir avec une remuneration order pour le Special Education Needs School. Nous, 2019, depuis aujourd'hui, NRB pas encore tient aucune remuneration order pour ça secteur là. Avec l'introduction du salaire minimal, l'écart qui tient entre ben, différents grades fin rapetissé et bizarre reggae de corrélativité pour ben, salaire. Le Saint School qui peine aucune rémunération d'odeur, peine aucun moyen pour le corriger sa ben, anomalie. Donc ça, si nous pouvons faire un appel au ministre du Travail pour prendre ça en considération. Dernier point. Tout le monde dans le pays, surtout dans le secteur privé, il prie un petit peu de panique quand on finit annoncé dans le budget qui fonctionnait pour gagner 1000 roupies en janvier. La CTSP, nous n'accueillons ça favorablement pour une simple raison, c'est qu'il nous représentait le National Minimum Wage Council et les prix ça la loi là, il est clair qu'il y a une section du Minimum Wage Act qui dit bizin reggae de corrélativité en bas de salaire. CTSP, Business Mauritius, fin déposé devant le NRB, y compris la FPI. Fin un rapport qui nous sortit en septembre 2018 pour revoir corrélativité en bas de salaire. Et le ministre du Travail dit nous ne pouvons pas venir avec ça tant que le secteur public, lui aussi, n'est pas venu avec sa corrélativité. Jodi secteur public, il finit, il donne ce rapport pour payer 1000 roupies à cause du bord, tout le monde. Mais qui arrive secteur privé? Qui arrive nos rapports au septembre 2018? Moi, j'attire l'attention du gouvernement pour tout bien au tête. Peu importe qui s'en a gagné l'élection, nous n'a pas pour rester tranquille, qui fonctionnait bien 1000 roupies, travailler à secteur privé, nous, comment dire, nous pas exister dans le pays là. Mettre ça dans un nouveau programme, mettre qui ça bien implémenter et travailler au secteur privé si par exemple ce droit. Nous pouvons ça bien et nous pouvons demander tout le travailler au secteur privé, reste mobilisé au cas où nous bien faire nous entendre nous un peu plus fort. Peut-être nous l'avoir passé faux, ma décision politique n'a pas trop en compte. Mais ça, c'est nous dû, c'est nous droit, et nous engage. Donc, c'est ça, c'est d'aspect sur ma préoccupation aujourd'hui. Et dans ben, la loi qui me finit par répéter, et dans ma promesse qui me finit faire, nous encore avec de ma déclaration de bonne intention. Fini les paroles, passons aux actes. Et nous perdons ça. Il y a une affaire déterminante pour travailler au secteur privé, surtout prendre une décision qui est importante. Voilà, je vais commander la presse. Si je t'ai dans ma question, je t'ai envie de poser. Est-ce que probablement, quand on a tripartite avant l'élection, ça pouvait être sur la table. Je pouvais mettre ça sur la table, le fait que ben fonctionnait, puis il y a 1000 roupies, ben retraité, puis il y a 500. Il pouvait venir, moi, j'ai un jeu politique qui pouvait une promesse électorale.
définitivement, nous voulons venir dans la négociation tripartite, mais nous pouvons préparer nous aussi, qui dans la tripartite, pour venir dire, nous, ça, ici, nous pouvons faire une compensation salaire par rapport à l'inflation, à perte de pouvoir d'achat, ça a besoin d'un autre forum. Donc, nous pouvons anticiper sa réponse-là, et depuis aujourd'hui, nous pouvons rentrer dans une campagne de conscientisation pour les travailleurs du secteur privé, pour les autres connus, pour les autres arrêts de santé, les autres, comment dire, orphelins, juste pour nous gagner 1000 roupies, comment dire, pour nous payer dans l'oeil. Nous, nous gagnons avant les autres, nous, depuis septembre 2018. Mais les autres restent tranquilles, ils n'ont pas de cause, nous pour cause, nous avons un rapport là, ils ont internet, nous disons tout le monde travailler dans le secteur privé, allez où vous trouvez, combien finir faire pour régler la corrélativité de salaire. Je te veux dans le monde politique, j'étais un peu divisé de sa partie qui est gouvernement bien pays ou bien rembourse de frais électoraux. Je te voulais un peu, mais je te voulais retourner en cause, je ne suis pas d'accord. Donc, pendant vraiment une ligne directrice. La réalité, c'est que je peux faire, je peux dire capital politique, l'ON a fait insensé. Ou il y a trois façons qui sont capables d'un financement pour faire de la politique. Un avec un membre, qui est très limitatif, un deuxième depuis le secteur privé qui ouvre la porte à un système qui devient l'otage du capitalisme à outrance, avec un troisième à travers l'État. Jodi, il y a une résistance parce que beaucoup de politiciens eux-mêmes, je tiens court d'idées. Quand une cause financement public, eux-mêmes, je crois, pour tirer depuis taxes payées, money. CDSP permet une solution là, aujourd'hui, l'eau la table. La politique, c'est notre santé sociale. Bizet, Thierry, depuis CSO, n'existe augment CSO à 2,1%. Pena débat est là. L'argent va sortir depuis dans la caisse taxpayers money. Il va sortir l'autre place et il régler tout problème. Premier problème fondamental. C'est qu'une compagnie, uniquement s'il fait profit, là, il paye CSO. Alors que dans la loi qui me proposait, même compagnie-là peut faire faillite, sous n'importe quelle condition, il est capable de donner une donation illimitée à une parti politique. Qui est arrivé, dit-il, si une compagnie il donne des dizaines de millions à parti politique, après, il fait faillite, il est licencié. Pour centaines de travailleurs, qui c'est là qui est responsable? Mismanagement ou soit ben, 10 personnes qui viennent voter ça qui a été la loi là, c'est eux qui ont coup de cervelle parce qu'ils ont des opportunistes qui ont envie de gagner l'argent à tout prix. Donc, moi je fais un appel à Alain Ganou, reconsidère la proposition CTSP parce qu'ils nous doivent dire tiens l'argent depuis leur. Ben, citoyens, je pousse. Mais ça permet beaucoup assainissement, le cas de où le secteur privé son rôle pour lui décider qui souval, qui brique, lui pour mettre dans le Parlement, pour ne pas aller là. Mais je trouvais que le Premier ministre, il est dans la majorité des trois corps, pour ça, c'est un bel qui pour causer. Depuis le premier jour, c'était CTSP fin de dire, quand nous trouvons la loi là, c'est la loi qui nous a mené pour ne pas être voté. Il n'y a pas qu'à voter ça. Et nous trouvons lendemain, à les autres politiciens, il y a même d'affaires. Mais nous, nous envions en la loi. Et c'est le souhait de beaucoup de partis politiques. Donc, il y a une proposition de la comité. Laisse débat faire dans la transparence. Concerne-nous ça. Laisse débat faire dans la transparence. Laisse la société civile aussi contribuer pour enrichir le débat là. D'autres questions, s'il vous plaît? Oui, mais moi, tu vois, tu es là avec une cause au Vanguard Sécurité. C'est la semaine dernière qu'il passe ça, oui. La semaine d'avant. Combien de temps ça prend pour sortir ça depuis la rémunération ou de là? Il n'y a pas besoin de bel temps. Je suppose qu'il y a besoin d'un assez présidentiel. Je ne sais pas trop qu'on est capable de la propriété. Mais besoin capable qui gouvernement. Ou bien besoin d'une étape de négociation pour mettre bonnes conditions. Non, pas une étape de négociation. Enfin, à ce qu'il s'agit, quand un nouveau, la loi sortit, il y a direct, finalement, 24 coups de ban employé contesté devant la Cour suprême. Ça, c'est une autre histoire. Mais dans le cas de Security Guard,
ben employeur aussi d'accord pour passer en 8 temps. Nous déposer, nous cet aspect effectivement énorme. Et dans le consensus, il a besoin de sortir. Mais moi, je vais faire un appel à la camarade de la presse qu'il a et pose question au ministre du Travail quand la loi travail là peut sortir. Incessamment, ce n'est pas une date ça. Moi, dire, on rentre dans la cour, avocat, dit au livre de nous un statement of case, in due course. Qui était ça? Travailler puis attendre. Et comme on dit, où toutes nos négociations collectives, ils nous aident. Mon patron, pas péro d'aller l'avant tant que je ne pas connaître dans le nouveau la loi. Et ça peut cause nous préjudice. Nous va nous membres préjudice. Super la question, nous remercions les autres.